Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième manche de ce championnat de Formule 1. On constate avec Chris que les éléments aérodynamiques ont été installés. La McLaren continue d'évoluer en vue du Grand Prix de Monaco, qui devrait être un des points d'orgue de cette saison. Mais pour l'heure, place à la troisième manche de la saison à Shanghai en Chine. Nous espérons que vous êtes aussi excités que nous pour la séance d'essai d'aujourd'hui ici sur le circuit international de Shanghai. Ce circuit de 5,45 km fournit à la fois des virages serrés et des longues lignes droites, une combinaison qui va mettre à l'épreuve même le plus expérimenté des pilotes. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Place aux séances d'essai libre avec les habituels tests. Et pour débuter ce week-end chinois, ça commence mal puisqu'on est en proie à de la pluie dans la première séance d'essai libre, ce qui va fortement perturber notre programme de développement de la voiture. Il est important de glaner un maximum de points pour faire grandir cette McLaren en vue de Monaco, comme je vous le disais en introduction de cet épisode. Et vous voyez qu'avec les pneus intermédiaires, la voiture est assez difficile à piloter, notamment au niveau du train avant. On va tout de même tenter de reconnaître le circuit dans ces conditions, mais on va très vite abandonner le programme pour se tourner directement vers la seconde séance d'essai libre qui, elle, se déroule par contre en grande partie sous le soleil. L'occasion pour nous de découvrir ensemble ce circuit de Shanghai. On débute avec un virage interminable sur la droite en forme de coquille d'escargot qui se referme sur lui-même avant de virer sur un gauche en deuxième. On repasse la puissance au sol dans une partie de piste assez large, opportunité de dépassement au départ ici, puisqu'il va y avoir plusieurs voitures de front, et c'est ici que l'on pourra peut-être porter une attaque dans ce virage à droite, également en deuxième. Ensuite, une relance qui va nous emmener vers une grande courbe à gauche. Il va falloir là être très précis au niveau du réglage de la voiture, puisque l'appui demandé par le train avant doit être précis pour les changements de cap rapides, et on sent déjà une petite différence avec les améliorations apporté à cette McLaren Honda. Sans ça, on aurait eu plus facilement l'avant qui décroche. On continue et on va conclure le deuxième secteur avec cette petite ligne droite. De nouveau une opportunité de dépassement. Vous voyez donc un deuxième secteur un peu plus sinueux que le premier et beaucoup plus sinueux surtout que ce troisième secteur de cette piste chinoise avec une grande courbe à droite en banking. Et vous voyez que j'ai beaucoup de mal de passer la puissance au sol puisque la McLaren manque cruellement de stabilité. Et c'est ici le talon d'Achille de ce circuit pour nous, c'est-à-dire que pouvoir relancer la voiture va être très compliqué de le faire correctement. L'épingle du fond, comme on l'appelle vulgairement, ici on repasse quasiment en première pour retourner vers l'infrastructure de la pit lane. Et le dernier gauche, l'entrée des stands est sur la droite. Voilà, deuxième et dernière zone de DRS ici, juste avant le passage du transpondeur. Tu maîtrises bien le circuit maintenant. Et la fin de la séance marquée par un tour qui était excellent, mais où nous avons été gênés par l'une des Ferrari également en pneus super soft, ce qui met donc un terme à nos tentatives dans cette deuxième séance. La troisième devait être dédiée au programme de gestion des pneumatiques et des freins, mais malheureusement, comme vous le voyez, cette dernière s'est déroulée sous une pluie fine empêchant tout travail sur les gommes. Donc c'est avec un manque cruel d'informations que l'on va s'élancer dans la séance de qualification du samedi. Voici les résultats de la troisième et dernière séance. Ça se passe plutôt bien pour les Ferrari. Quant aux McLaren, nous sommes relégués en deuxième partie de tableau. Place maintenant aux qualifications du samedi. D'où que vous soyez, merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai en Chine.
Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Déclenchement du DRS et le lancement pour la seule et unique tentative de cette Q1. Nous sommes en pneus super soft, évidemment, comme l'ensemble du peloton. Peut-être quelques exceptions pour les voitures les plus performantes, mais quant à nous, on va se contenter d'aller chercher ce que nous demande l'équipe, à savoir de terminer cette qualification en 11e place, surtout devant Fernando Alonso, comme à l'habitude. Ce sont les consignes habituelles, mais il va y avoir quelque chose de nouveau, puisqu'on va tenter de se qualifier 10e pour passer en Q3 et ne pas rentrer de chrono et ainsi sauver un train de pneumatique pour tenter une stratégie un petit peu différente. On va voir surtout si on passe en Q2 et en Q3 comment va se dérouler la météo, puisqu'il y a des menaces réelles sur Shanghai. On ne va pas d'ailleurs manquer de demander des informations à Jeff concernant l'évolution de celle-ci tout au long de ce samedi de qualification. Vous voyez que le meilleur tour passe de main en main, alors que moi je me fais une très belle frayeur dans le deuxième secteur derrière l'une des Renault, je crois que c'est Julian Palmer. Vous voyez que Valtteri Bottas est pour l'instant titulaire du tour le plus rapide avec surtout les pneus soft, donc certains vont tenter leur chance. Même Max Verstappen, lui, est passé en super soft. C'est pour dire qu'il y a une petite crainte du côté de certaines équipes de pointe comme Red Bull ou encore Ferrari. Ferrari qui avait un excellent et début de championnat et qui pourrait continuer sur sa lancée avec un Kimi Räikkönen toujours leader, on le rappelle, avec 50 points sur 52 victoires pour le pilote finlandais de la Scuderia qui fait pour l'instant un sans faute. On va conclure notre tentative, vous allez découvrir le chrono, un petit blocage de roue dans le dernier gauche. On relance pour une dernière fois, DRS ouvert et le verdict du chrono, on s'empare d'un temps à 252 millièmes de Max Verstappen en 1:40.106. Voilà pour cette Q1. Et on va découvrir tout de suite où cela nous place alors que la deuxième tentative va être avortée. J'avais tenté un deuxième tour mais finalement je me suis ravisé. La 9e place pour nous au terme de cette première séance qualificative et la 11e pour Alonso. Rien à signaler si ce n'est Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux seuls pilotes de pointe dirons-nous à avoir rentré un chrono en pneus soft dans cette Q1. La Q2 maintenant avec un ciel bien plus chargé au-dessus du circuit de Shanghai et des menaces réelles de pluie qui me sont annoncées à la radio. Jeff me dit que ça pourrait se terminer sous les gouttes d'eau. Ce à quoi eh bien, on va changer notre stratégie. Et place aux pneus super soft, contrairement aux pneus soft que je pensais monter pour avoir une stratégie différente en piste avec un arrêt de moins lors de la course, comme vous le savez, puisque 6 passages en Q3 il y a, eh bien, vous partez avec les pneus avec lesquels vous avez réalisé votre meilleur temps lors de la Q2, j'espère que vous suivez toujours. Quant à nous, eh bien, vous le voyez, sous le ciel gris, on sort finalement les super soft en pensant passer en Q3, puisque si pluie il y a, eh bien, la dernière séance se fera avec des pneus intermédiaires ou full wet, à bande verte ou bleue. Donc, un train de pneus secs serait sauvé pour la course, si la course a lieu sur le sec. Pour l'heure, c'est Julian Palmer, le pilote britannique, qui s'empare du meilleur chrono. Ça ne va pas rester longtemps le cas, malheureusement pour l'équipe de Frédéric Vasseur. On continue notre progression dans un excellent tour, peut-être un des meilleurs tours que j'ai réalisé lors des séances de pré-course dans ce week-end chinois, avec une voiture plutôt bien balancée. Daniil Kvyat, le pilote russe, s'empare du meilleur temps. Ça va commencer à tomber, les chronos vont se succéder au fur et à mesure des pilotes qui franchissent le transpondeur dans cette Q2. Et vous voyez donc le ciel qui continue à se charger en nuage. Le pilote australien Daniel Ricciardo reprend les commandes de l'épreuve. Là, tout le monde est en super soft sans exception, puisqu'il va falloir se battre pour être dans les 10 premiers. Sébastien Vettel, l'allemand, reprend le meilleur temps provisoire et nous sommes eh bien 6 dixièmes environ derrière la Ferrari dans notre tentative, ce qui nous place 7e. Et la bonne nouvelle du jour, c'est Fernando Alonso qui parvient à se glisser et derrière les deux Williams Martini Racing en 10e position. Nous sommes donc en Q3, mais regardez, il pleut pour cette dernière séance et nous allons prendre la piste pour rentrer un chrono en pneu pluie, ce qui n'est pas très réjouissant pour nous étant donné que les règles du parc fermé sont applicables, ce qui signifie que
Eh bien, au moment où la voiture quitte les box en Q1, les setups de la voiture ne peuvent plus être changés, ou en tout cas très peu, jusqu'au départ de la course, ce qui fait que nous avons une voiture très rigide avec pas beaucoup de souplesse dans les amortisseurs. Et donc, sous la pluie, ça n'est pas l'idéal, donc on espère pouvoir tirer le maximum de cette Q3. Et vous voyez qu'en sortant, c'est déjà compliqué avec un petit passage au-delà des lignes blanches qui délimitent cette piste de Shanghai. Pour Stoffel Vandoorne, c'est compliqué avec une Williams qui vient même tenter de passer devant, mais tout cela va bien se terminer. Le chrono, le voici. Et en plus d'être nivelé par la pluie, il y a une réelle chance que la voiture se comporte correctement et que, eh bien, sur un malentendu, on pourrait, pourquoi pas, bien se classer. On va poursuivre ensemble ce tour. Vous voyez beaucoup de sous-virages dans ce premier enchaînement, dans les virages lents et mi-vitesse. La voiture est un calvaire. Dès qu'on passe en pneu médium, dur ou en pneu intermédiaire et pluie, c'est toujours compliqué. Et vous constatez et vous entendez à quel point il est difficile de trouver le grip avec ces pneus pourtant à bonne température. On est également passé en mélange riche pour tenter de se sauver un petit peu la peau, mais c'est peut-être pire que mieux. Voyez la relance toujours compliquée avec ces pneus full wet qui, comme je vous le disais, ne fonctionnent pas très bien avec la McLaren. On poursuit avec un deuxième secteur dans le mauve, c'est ce que nous dit en tout cas le chronométreur, et ça fait du baume au cœur de voir qu'on est pour l'instant le plus rapide, même si tout le monde n'est pas encore passé, loin de là, devant la petite cellule qui nous dira eh bien, d'où nous partions. Vous voyez que ça survire allègrement alors qu'on entame la grande ligne droite du retour. Notre point faible, je le disais, ce troisième secteur qui eh bien, nous démontre une nouvelle fois que la McLaren a besoin d'évolution moteur pour au moins des Grands Prix comme le Canada et l'Azerbaïdjan. Un gros blocage de roues à l'épingle, mais difficile de faire autrement avec une répartition des freins refaite à la hâte pendant le tour de sortie. Et vous voyez que ça glisse énormément. Le dernier gauche ici, on va se libérer d'un poids avec ce chrono. En réaccélérant sur le vibreur, ça n'est pas la meilleure opportunité. Et on franchit la ligne avec un 1:57.282, ce qui est pour l'instant le meilleur temps. Mais regardez, ça va très vite changer. Les résultats de cette troisième séance qualificative avec la pole position pour Nico Rosberg devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. Fernando Alonso partira 7e. Excellente qualification des McLaren dans leur lutte face aux Scuderia Toro Rosso et aux Williams. Nous sommes la meilleure équipe. Place maintenant à la course. Depuis le dépassement de Jenson Button par la sauveur de Felipe Massa dans le virage 1 lors du tout premier Grand Prix de Chine en 2004, Shanghai a toujours été le théâtre de courses palpitantes et mémorables. C'est ici que Lewis Hamilton a perdu le titre lors de sa première année en F1 et que Nico Rosberg a offert à Mercedes son premier titre en 2012. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages. Les courbes à droite, très serrées des virages 1 et 2, mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve, ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers. Deux zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 et au bout de la ligne droite d'un kilomètre en arrivant dans le virage 14. C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course et j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Bien sûr, c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents. Souvenez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même. C'est un tracé très exigeant pour les freins. Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serrée du virage 14. Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste. Ajoutez à cela la gestion des pneus avant, toujours problématique ici. Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Nico Rosberg part en pole position après une séance de qualification très disputée, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Hamilton, une McLaren et Vettel, Alonso, Bottas, Sainz et Felipe Massa, Verstappen, Kvyat, Romain Grosjean et Palmer, Nasser, Magnussen, Esteban Gutiérrez et Sergio Pérez, Hülkenberg et Ericsson, Pascal Wehrlein et Rio Arianto complètent la grille de départ.
La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La cartographie de départ marche bien, mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir. Il faut faire travailler les freins. Appuie un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes, s'il te plaît. Et début donc du tour de formation ici en Chine avec une très bonne qualification donc pour les McLaren. Un très mauvais week-end aussi pour les Force India. On a vu Nico Hülkenberg et Sergio Perez relégués en bas de tableau. Belle performance des Renault qui ont pu profiter de se hisser quasiment toutes les deux en Q2. Belle performance donc pour l'écurie française. Également un petit bémol à Max Verstappen qui n'a pas réussi lui à se hisser en Q3. Il partira donc 11e de cette grille de départ. On évolue sous un soleil certain, mais les conditions nuageuses pourraient venir refroidir la piste, ce qui serait à l'avantage de certaines voitures, comme la McLaren Honda qui, on le sait, fonctionne mieux par un peu moins de température et avec des pneus super soft. Justement, ces pneus-là sont montés par l'ensemble des pilotes actuellement dans le top 10. Aucune exception à la règle, sauf changement de dernière minute qui nous aurait échappé. Le tour de formation se poursuit, un long tour de formation ici. Il va falloir réussir à chauffer notamment les freins, et avec un troisième secteur composé d'une grande ligne droite, il va falloir rester attentif au pilote devant vous pour éviter que ce dernier ne freine au dernier moment et ne vous surprenne. Et si pas, faites comme Stoffel Van Dorn, et bien dépassez le pilote qui s'est mieux qualifié que vous pour avoir une opportunité de chauffer correctement votre voiture. Mais n'oubliez pas de le laisser passer avant de reformer cette grille de départ. Grille de départ que l'on annonce très serrée. Ça risque d'être le bouchon au niveau de l'escargot du premier virage, mais on va voir surtout qui pourra prendre un meilleur départ. On espère que Lewis Hamilton, quatrième, va pouvoir redresser la barre, tout comme Sébastien Vettel. Les deux pilotes allemands et britanniques sont en train de subir un petit peu la loi de Nico Rosberg et surtout de Kimi Raikkonen, qui, on le rappelle, avec 50 points est le leader incontesté de ce début de saison. Les premières voitures viennent se replacer sur cette grille de départ. On va laisser tout doucement les bolides se replacer et ça sera le départ de cette troisième manche de la saison. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Le départ est désormais imminent, les 5 feux sont allumés, c'est parti, on roule à Shanghai avec un excellent départ de Lewis Hamilton. Ça part bien également derrière pour les Williams. Devant, Hamilton va peut-être pouvoir se hisser déjà au deuxième rang, ça va peut-être être chaud entre les Williams et les McLaren. Lewis Hamilton quasiment en tête à l'issue du premier virage, ça se passe sans accrochage. Donc on a Rosberg, Hamilton devant une Red Bull et les deux Ferrari à la lutte avec Stoffel Van Dorn qui va aller chercher peut-être Sébastien Vettel à la réaccélération. Le pilote belge à l'intérieur pour prendre peut-être la cinquième place de ce Grand Prix au niveau du freinage du quatrième virage. Et c'est trop large. Et c'est Vettel qui recroise et Alonso va peut-être même en profiter. Derrière, tout le monde est passé. Quel départ de Lewis Hamilton qui a réussi à se placer. C'est pas terminé avec la voiture du pilote belge avec qui on embarque maintenant, qui a réussi finalement à dépasser Vettel. Kimi Raikkonen finalement parti en soft, on vous le disait, il y a eu des changements peut-être de dernière minute. Quel départ de la part de Lewis Hamilton qui s'est relativement bien extrait de cette grille de départ. Les premières voitures arrivent dans le troisième secteur. Pas encore de DRS, on vous le rappelle, ce sera seulement à partir du troisième tour. La grande ligne droite avec déjà peut-être l'attaque de Lewis Hamilton pour prendre la tête de ce Grand Prix de Chine. Derrière, d'autres voitures sont à l'aspiration, ça va déboîter dans la ligne droite pour Hamilton. Peut-être l'attaque du pilote britannique pour s'emparer de la tête de la course. Vettel revient également sur Van Dorn. Derrière, on a vu Sainz à la lutte avec Massa. Le blocage de roue pour Sébastien Vettel qui va peut-être s'emparer de la position de la McLaren. Et non, ça n'est pas passé devant Hamilton et lui bien en tête. Et les deux Renault sont à la lutte derrière aussi. Et c'est Lewis Hamilton qui complète le premier tour de ce Grand Prix au commandement devant Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Van Dorn et Sébastien Vettel qui s'est un petit peu loupé dans son premier tour. Les Ferrari sont à l'attaque et on voit que les pneus soft résistent bien. Un petit écroulement au départ, mais une fois qu'ils sont en température, c'est bon. Un peu plus loin dans le peloton, on est avec les Toro Rosso qui ont un peu plus de mal dans ce début d'épreuve.
On les voit en sandwich entre les Williams à l'image. Carlos Sainz, le pilote espagnol, devant Felipe Massa à l'entame de ce deuxième tour. Et ça se passe pour l'instant sans encombre pour tout le monde. Oh, et la casse moteur pour Carlos Sainz qui doit abandonner. Incroyable. Après seulement deux tours, le moteur Ferrari qui a rendu son dernier souffle. Premier abandon de cette épreuve. Carlos Sainz, et c'est important pour la lutte qui oppose la petite structure italienne à la structure britannique de McLaren qui pour l'instant fait un Grand Prix absolument parfait. On est avec Felipe Massa, on va revivre peut-être, voilà, la casse moteur du pilote espagnol depuis la monoplace de Felipe Massa. Ça se passait bien pourtant, mais à la relance, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et le moteur n'a pas supporté, voilà, la casse pour Sainz qui s'écarte tout juste. Ouais, Massa qui a pris quand même un joli panache de fumée dans la visière, heureusement. Il lui reste des tir-off, nous ne sommes qu'au deuxième tour de cette épreuve et on retourne justement en caméra embarquée avec la tête. Et regardez, c'est compliqué pour Stoffel Vandoorne qui doit freiner très très tard pour résister à Vettel. Mais devant, Raikkonen s'est emparé de la troisième place de Daniel Ricciardo. Les voitures super soft ont du mal, pas encore de DRS. Hamilton conclut un nouveau tour en tête. Maintenant, les pilotes ont accès au Drag Reduction System, cet aileron arrière qui se lève pour réduire la traînée aérodynamique. Et Vandoorne qui est très bien là dans ce premier droit. Attention peut-être, qu'est-ce qu'on nous montre? Ah, on va nous montrer le départ depuis la voiture de Sébastien Vettel. Et regardez l'envol de Lewis Hamilton, absolument superbe, le Britannique qui a totalement déposé la Ferrari de Kimi Raikkonen. Et on va voir avec Vandoorne comment ça s'est passé. L'avantage pris par le pilote allemand ici, et Vandoorne qui va recroiser. Et devant, la superbe attaque de Lewis Hamilton qui n'a laissé aucune chance à Ricciardo ni à Raikkonen. Raikkonen qui a lui bien loupé son départ, hein, le pilote finlandais. Et regardez, toujours à droite, Vandoorne qui va insister. Vettel qui surveille ses rétroviseurs. Et finalement, il va être plus malin et plus expérimenté peut-être, laissant le Belge partir au large et récupérant ainsi la position. Mais à la relance, la McLaren, elle s'est bien placée et c'est sur l'extérieur. Et ça, je ne pense pas que Vettel s'y attendait sincèrement. Et le retour, voilà, de la McLaren devant la Ferrari. Les premiers pilotes à être partis en pneus super soft vont opter pour un arrêt au stand très tôt dans cette épreuve. Trois arrêts au mieux. On pense à deux relais en super soft, un relais en médium et un relais en soft pour les stratégies à trois arrêts. Certaines stratégies à quatre arrêts sont également possibles. Pour l'heure, on va voir qui sera la première voiture à stopper. On voit qu'on est prêt au-dessous de notre cabine. On voit qu'on sort les jack et le matériel du côté de chez Mercedes, chez Red Bull, Ferrari et McLaren. Donc ça va peut-être déjà rentrer. Effectivement, Lewis Hamilton, en tant que leader de l'équipe Mercedes, opte pour un arrêt au stand, tout comme Ricciardo, Vandoorne et Vettel, je crois. On est sorti tardivement chez McLaren. L'arrêt pour Lewis Hamilton qui monte des pneus soft, lui. Et pas de perte de temps, il ressort juste devant la Red Bull de Ricciardo avec qui on arrête maintenant. Et lui repart par contre avec un deuxième train de pneus super soft. Quant à la McLaren de Stoffel Vandoorne, là on opte comme Lewis Hamilton pour un train de pneus soft. Oh, et c'est très long et on perd du temps et ça permet à deux voitures de repasser. La voiture de Sébastien Vettel et la Williams en fin de peloton. Oh, la casse moteur pour une des manœuvres qui est-ce. Drapeau jaune dans le troisième secteur au même moment où les leaders rentrent. Et c'est Rio Arianto qui va mettre beaucoup d'huile dans le troisième secteur. Est-ce qu'il peut s'écarter? Oui. Attention, Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein qui sont passés juste derrière. Et deuxième casse moteur en 3-4 tours, attention. Et les premières power units cette saison qui commencent à lâcher. Vous le savez, 5 blocs énergétiques alloués par voiture. Et là, ce n'était pas la fête. On a revu l'action depuis la voiture de l'équipier de Rio Arianto, Pascal Wehrlein. Retour de la lutte entre Vettel et Vandoorne. Il ne se lâche pas depuis l'extinction des feux, ces deux-là. Un peu plus tard dans ce quatrième tour, l'arrêt au stand de Fernando Alonso, la deuxième McLaren. Voilà l'arrêt du pilote espagnol. Est-ce qu'on va mettre ses œufs dans le même panier du côté de Woking? On va voir avec peut-être un deuxième train de super soft. Non, on repasse tout comme Stoffel Vandoorne à des pneus soft chez Alonso qui va repartir en piste derrière tout ce beau monde, derrière justement son équipier et la Williams. Vandoorne toujours à l'explication avec des pneus soft face au super soft de Vettel et Bottas. Et on a vu que depuis le début de l'épreuve, les températures de piste font que les pneus soft fonctionnent un petit peu mieux que les pneus super soft. Donc peut-être l'avantage du
pilote belge qui est en train d'inscrire le meilleur temps absolu dans le premier secteur. Et la relance, vous voyez, qui est bien meilleure du côté de la McLaren. La Ferrari n'est pas à son mieux avec les super softs depuis le début de l'épreuve. Et voilà, comme si de rien n'était, Vandoorne qui parvient à effacer malgré le manque de puissance de son bloc. Et bien, la voiture de Vettel a peut-être un retour du pilote allemand dans la ligne droite de ce troisième secteur. On voit devant que les Manor, qui elles n'ont pas encore ravitaillé, en tout cas la dernière Manor en course, celle de Pascal Wehrlein, est en train de bouchonner un petit peu les voitures de tête qui ont ravitaillé. On est aux alentours là, du 15 et 18e rang pour les pilotes. Et il y a des voitures plus lentes qui en plus sont en fin de vie de leur train pneumatique. Le DRS pour Stoffel Vandoorne, mais je pense aussi pour Sébastien Vettel. Ça va peut-être aider à dépasser la Manor pour Daniel Ricciardo, que voilà. Alors que Rosberg, le leader, a stoppé. Et l'attaque peut-être, la troisième ligne créée par Vandoorne. Non, ça se ravise. Oh, ça va freiner très tard. Et le blocage de roue. Oh, pour éviter la Manor, on a freiné très très tard sur la McLaren. Peut-être l'arrêt de Wehrlein. Attention, on est sur le museau de la voiture de Vandoorne. Et non, ça continue pour Wehrlein. Il va falloir doubler à la régulière, peut-être à l'extérieur dans la ligne droite des boxes. Et on voit que ça se passe bien également pour les Haas qui n'ont pas encore ravitaillé. C'est pas fait, hein, il résiste Pascal Wehrlein avec les pneus soft en fin de vie. Oh, à l'extérieur Vandoorne, et ça passe pour le pilote courtraisien. C'était très très limite là, mais c'est passé finalement. La Manor qui n'aura pas retenu aussi longtemps Vandoorne que Ricciardo, qui lui a perdu énormément de temps et qui bute maintenant sur une autre voiture, la Sauber de Marcus Ericsson. Et on voit devant que Lewis Hamilton est également en difficulté avec l'autre Sauber, celle de Felipe Nasser. Alors peut-être est-ce la bonne pioche pour Nico Rosberg, qui en évitant quelques tours derrière les retardataires, en retardant son arrêt au box, pourrait profiter de cette opportunité pour reprendre la tête de ce Grand Prix. Prendre une position, c'est ce qu'est en train de faire Stoffel Vandoorne, au détriment des deux voitures qui sont devant lui. Et oui, blocage de roue, mais ça passe. Ericsson qui est en train de retenir Ricciardo. Voilà, Marcus Ericsson en caméra embarquée, qui vient d'être doublé par la McLaren du pilote belge. Mais derrière, Ricciardo, lui, n'a toujours pas osé y aller. Mais Vandoorne a pris les deux voitures dans le même virage. Plutôt belle manœuvre de la part du pilote belge. Oh, attention, ça sort large pour Marcus Ericsson. Ça risque d'être compliqué de résister au moteur Tag Heuer, officiellement moteur Renault, et Gutiérrez en médium, hein, toujours. Esteban Gutiérrez, le pilote mexicain sur la Haas, 12e en médium. On va avoir une stratégie décalée pour ces voitures-là, partie au-delà du top 10, à bord maintenant de la voiture de Daniel Ricciardo, qui va réussir peut-être à s'extraire de Marcus Ericsson. Voilà, il efface la monoplace du pilote suédois, c'est maintenant fait, mais que c'était compliqué pour Ricciardo. Il a mis plus d'un tour à trouver l'ouverture. Évidemment, la voiture étant plus lente et n'étant pas soumise au drapeau bleu, il faut réussir à dépasser, et ça a pu être le cas à l'issue de ce sixième tour. L'arrêt au box pour différentes voitures, les stratégies divergent, et effectivement ça va bouleverser ce classement. On reste attentif à certaines voitures de tête, comme par exemple Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Stoffel Vandoorne, qui sont bloqués comme Ricciardo et même Vettel dans ce peloton de voitures au-delà de la 10e place, qui contient des Manor, des Renault. Voilà Julian Palmer qui vient d'être dépassé par Lewis Hamilton, premier pilote à avoir ravitaillé. Mais c'est toujours Rosberg qui mène les opérations, puisque le temps perdu, voilà, par Lewis Hamilton l'a repoussé derrière le pilote allemand que vous voyez au premier plan de l'image. Donc Rosberg, virtuellement leader de ce Grand Prix de Chine. On retourne en caméra embarquée avec Stoffel Vandoorne, qui va tenter, pourquoi pas, de profiter de ses retardataires. On a vu qu'il a été plutôt opportuniste avec Ricciardo au tour précédent. Ricciardo en super soft, hein, sinon tout le monde a passé des gommes à composition un peu plus dure. Lewis Hamilton sur Felipe Nasser. On espère que ça ne va pas trop traîner, parce que sinon, eh bien, ça pourrait déjà tuer l'intérêt de la victoire, avec un Nico Rosberg qui reprendrait déjà quelques secondes d'avance sur son équipier et rival. Et Lewis Hamilton qui a bien besoin de se remettre après deux premiers Grands Prix plutôt difficile, et la structure Mercedes-AMG en elle-même a besoin de réagir face à la Scuderia Ferrari. La Renault qui ralentit, la Sauber déboîte. Est-ce que Hamilton va créer la troisième? Oh, et Palmer qui donne un coup de volant en pleine ligne droite. C'était pas la meilleure solution pour résister, et finalement il va se faire avoir pour deux places. Palmer, non, il résiste encore à Hamilton. On voit Gutiérrez qui est pris dans l'aventure, et derrière ouais, c'est Vandoorne qui va tenter de doubler la Ferrari. Voilà, à l'extérieur Stoffel Vandoorne qui passe Kimi Raikkonen sous les yeux d'un Ricciardo opportuniste, qui va lui aussi placer le museau de sa Red Bull et doubler le pilote finlandais, qui aura donc perdu deux positions en quelques centaines de mètres. Et voyez à quel point ces changements de stratégie peuvent bloquer certains pilotes, avec voilà Gutiérrez qui va se faire dépasser maintenant par Stoffel Vandoorne, à bord avec le Mexicain.
Est-ce que Stoffel Vandoorne ne peut tenter sa chance? On est avec Lewis Hamilton maintenant, toujours bloqué. Oh, Hamilton qui va se faire attaquer à l'intérieur. Est-ce qu'on va voir passer le museau de la McLaren? Bon, en tout cas, il avait réussi à se placer, Stoffel Vandoorne, mais ça n'était pas suffisant. Faut pas oublier que la Mercedes reste la meilleure voiture du plateau et que malgré le retard pris derrière Nazaire, Vandoorne n'est peut-être pas apte non plus à aller chercher à la régulière cette Mercedes AMG. Et regardez le petit train qui est en train de former Palmer avec Nasser. Toujours bloqué derrière Lewis Hamilton. Je pense que ça va se débloquer ce tour-ci. On voit derrière également Gutiérrez qui bloque une Red Bull qui va déboîter. Je pense que ça va y aller. Voilà Ricardo qui déboîte et peut-être même également Kimi Raikkonen qui va se jeter dans l'aspiration de Ricardo. Non, ça ne passe pas. C'est Ricardo qui réattaque Raikkonen et Lewis Hamilton qui efface la première voiture. Attention, celle de Nasser. Il faudrait que ces petits garçons-là optent pour la voie des box. C'est le cas pour Palmer qui rentre, mais ça n'est pas le cas pour Nasser qui reste en piste. Donc, manœuvre un peu plus facile pour Vandoorne. Et ça remonte pour tout ce beau petit monde qui va se retrouver dans le top 5 maintenant devant Nico Hülkenberg qui ressortait, lui, des box. Course difficile pour les Force India, mais ça remonte très belle pour l'instant performance. Attention, c'est dû également au choix pneumatique de l'écurie américaine. Et bien, de Gutiérrez qui se retrouve au sixième rang de cette épreuve chinoise. Vandoorne toujours à la poursuite de Lewis Hamilton, mais ça risque d'être compliqué de tout simplement garder le rythme de la meilleure voiture du plateau. Comme je vous le disais, la Mercedes qui a bien évolué depuis le début de saison, qui rattrape son retard pris face à Ferrari, qui a fait tout simplement deux victoires en deux courses avec Kimi Raikkonen. Ça va s'annoncer un peu plus compliqué dans cette troisième épreuve de la saison. Ça devrait devenir également compliqué lors de la quatrième manche qui aura lieu à Sochi en Russie. Et les premières prévisions météo nous annoncent de la pluie. De la pluie, il n'y en aura peut-être pas pendant ce Grand Prix. Pour l'instant, ça reste simplement des menaces avec les nuages et arrêt au box pour Lewis Hamilton. Même stratégie, on va voir par contre pour quelle gomme on opte du côté d'Hamilton. Ça repart en pneus super soft, j'ai l'impression. À confirmer, peut-être en pneus soft, je n'ai pas bien vu la bande sur le flanc de la Mercedes. Oui, c'est effectivement des pneus soft pour le Britannique et également pour le Belge. Repartir à zéro donc dans le duel avec un écart un peu plus important maintenant pour Hamilton qui a effectué un meilleur arrêt que l'équipe McLaren. Attention, deux petits trous dans l'herbe pour Vandoorne. Les pneus sont froids et il repart derrière Kevin Magnussen, toujours en lutte avec l'une des Red Bull, qui est Daniel Ricciardo, qui va repasser peut-être avec les pneus chauds. Vandoorne, attention, ça glisse beaucoup. Et finalement, il reste devant le pilote belge. S'il parvient à effacer rapidement Kevin Magnussen avec ses pneus frais, ça pourrait être un bel avantage pris face à Ricciardo. Il y a du monde sur cette piste. Il va falloir retrouver la place. Attention, est-ce que Magnussen a vu la McLaren? Maintenant, c'est le cas. Voilà, il soulage le pilote danois, mais c'était plus que limite pour Magnussen. Oh, attention, le sous-virage, c'est pas encore chaud. Les pneumatiques du côté de la McLaren, il faut environ un tour et demi pour mettre le pneu parfaitement à température. Donc des petites dérobades sont toujours possibles. Pour l'instant, Fernando Alonso mieux placé que son équipier, mais ce dernier va devoir opter pour la voie des box. Confirme la stratégie à trois arrêts du côté de Vandoorne et d'Alonso qui opte pour son deuxième arrêt. Oh, attention, parce que là avec Nico Hülkenberg, ça peut être l'explication. La Force India qui a besoin de points et l'aspiration, ça va déboîter. Oh, on passe à droite entre le mur et la voiture de Hülkenberg et Vandoorne qui passe à la dixième place. Retour dans les points pour le pilote belge au prix d'un dépassement à l'intérieur, et on est passé pas loin des panoteurs dans la ligne droite des stands, pour le plus grand plaisir des nombreux fans qui sont venus s'amasser dans cet incroyable complexe construit devant la pit lane que vous apercevez dans les différents plans, notamment dans le premier secteur. On se retrouve au 14e tour, la mi-course de ce Grand Prix de Chine, avec pour l'instant tout le monde en pneus soft autour de Stoffel Vandoorne, et ça se passe
Eh bien, comme le veut le plan, pour l'instant, on va jeter un point au coup d'œil au niveau de la météo, parce qu'il faut le constater, eh bien, depuis quelques tours, ça s'accumule dans le ciel, et il est probable que quelques gouttes viennent perturber la météo. Mais, il y a aussi des éclaircies de prévu, donc on ne sait vraiment pas vers quoi on va s'orienter pour la deuxième moitié de cette épreuve. Et drapeau jaune dans le deuxième secteur et l'abandon de Kevin Magnussen. C'est dommage pour le Danois qui est en proie à une boîte cassée après vérification. On espère que la réalisation pourra nous remontrer ce qui s'est passé pour le Danois. Mais et Virtual Safety Car déployé, attention, ça pourrait profiter à certains pilotes si il faut évacuer la voiture de Kevin Magnussen, oui, qui est très mal placée dans le deuxième secteur. Pour l'instant, la réalisation ne nous propose pas d'image. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Et effectivement, il n'en fallait pas plus à Esteban Gutiérrez pour profiter de rentrer au box. Et Léas qui pourrait faire une belle épreuve avec un arrêt de moins, pourquoi pas. Il faut garder les pneus à température. On se retrouve derrière Felipe Massa, le pilote brésilien, également en pneus soft. Donc des stratégies assez similaires pour l'ensemble des écuries principales. Peut-être seulement 2-3 voitures qui tentent une stratégie décalée, comme Esteban Gutiérrez qui va observer son premier arrêt. Voilà la sortie à l'instant du pilote mexicain. Et c'est tout juste puisque le rythme de course est relancé. Fin de la période de safety car virtuel. Les commissaires ont pour une fois été assez rapides ici en Chine pour évacuer la voiture de Kevin Magnussen. Attention, il va falloir remettre l'ensemble de la mécanique à température idéale. Et vous voyez que dans le 16e tour, le soleil est revenu, les nuages se sont très vite dissipés. Et donc on peut, à moins d'une catastrophe, éloigner tout risque de pluie de ce Grand Prix de Chine qui se terminerait normalement dans des conditions sèches. Kimi Raikkonen est 4e et lui a déjà opté pour son train de pneus médium, ce qui n'est pas notre cas. Du côté de McLaren, on partira du côté des pneus médiums à partir du 18 ou 19e tour. Regardez en bas à droite de votre écran l'usure des pneus. C'est assez critique du côté de Van Dorn. Obligation peut-être même de réchauffer un peu les pneus dans ce 17e tour pour le pilote belge. Ça reste l'une des principales priorités ici, garder la température, et ça va mal se terminer pour la McLaren, puisque étant donné le dernier train de pneus à passer, c'est-à-dire les pneus médiums, et la température de la piste qui augmente, la voiture va devenir assez compliquée à piloter. On a vu Fernando Alonso en conférence de presse nous expliquer vendredi matin que la voiture, dès qu'il fait chaud, est un calvaire, mais dès qu'il fait un peu plus frais et que les pneus soft ou super soft sont de sortie, la voiture est tout autre à piloter. Et la confirmation de l'arrêt pour Van Dorn. Et on remarque également Romain Grosjean, 6e de ce Grand Prix. Les As qui font pour l'instant une stratégie assez intéressante. Et au fur et à mesure des arrêts, ça pourrait leur être bénéfique. Confirmation également de la tête de course pour Nico Rosberg. L'arrêt pour plusieurs voitures qui avaient fermé la fenêtre des pneus soft pour les pneus médium. Voilà, attention de respecter la vitesse limite dans cette pit lane. Arrêt également pour le Mexicain Sergio Perez. Les Force India qui se remettent bien. Est-ce qu'on va opter pour des pneus médium du côté de Force India? On va découvrir ça tout de suite. Oui, les pneus à bande blanche sont montés sur la voiture du Mexicain. Et ça repart derrière Van Dorn qui a fait également un bon arrêt en 2 secondes 6 pour Van Dorn et 2 secondes 4 pour Perez. Van Dorn, justement, le voilà, il repart derrière Felipe Massa. Tour de différence, ça peut être à l'avantage du pilote belge s'il parvient à doubler Felipe Massa pour s'emparer de la 9e place. Il y a la place justement pour mettre sa voiture.
Mais le vétéran brésilien qui résiste plus que de raison peut-être, et ça passe finalement. Effectivement, la différence de pneus est un peu plus importante. Quelques tours d'usure et les pneus médiums font la différence. On constate au premier plan qu'Esteban Gutiérrez, le Mexicain, est lui en pneus soft, mais ça va être dur pour lui d'aller jusqu'au bout de cette épreuve avec ces gommes-là. 10 tours restants dans ce Grand Prix de Chine et Felipe Massa n'a peut-être pas dit son dernier mot, puisqu'on le sait, la McLaren ressort très mal de ce virage. Et regardez la différence de vitesse aidée par le bloc Mercedes, rien à faire. La Williams est une des voitures avec la meilleure vitesse de pointe, ici avec 340 km/h au radar. 18e tour donc, je vous le disais, 10 boucles encore à couvrir avec toujours le commandement pour Nico Rosberg. Et on suit la lutte entre Felipe Massa et Stoffel Vandoorne pour la 9e place. Notre caméra a failli souffrir là. Et regardez donc au premier plan, Esteban Gutiérrez qui s'en sort plutôt bien. Et on voit des voitures derrière qui ont déjà ravitaillé, qui sont un peu plus loin en classement. On a vu une Ferrari et une Red Bull assez loin dans ce classement au-delà du top 10. Donc il y a encore des choses qui vont bouger d'ici la fin de ce Grand Prix. Attention à ne pas résister de trop parce qu'on sait que Massa est un petit peu moins à l'aise que Vandoorne avec des pneus un peu plus usés. Maintenant que Vandoorne a ses pneus à température, ça va être compliqué de résister pour le Brésilien. L'attaque peut-être du pilote belge qui plonge et qui freine tard. Est-ce que Massa peut croiser? Oui, il va réussir à reprendre l'avantage. Oh, le contact entre les roues des deux monoplaces. Vandoorne est à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récupérer sa 9e place? Non, il soulage, quoique pas tant que ça. Oui, il résiste, Massa. Oui, ici, ça va être dans les marbles pour le pilote belge. Et ça repasse. Non, Massa qui résiste. Quelle bagarre entre les deux pilotes, là. Et tout ça au profit de Sergio Pérez qui gagne du temps pendant que ces deux-ci se battent. Oh, la dérive! Récupérer une extremis pour Vandoorne. Et c'est lui qui aura le DRS. Alors, est-ce que le DRS et le moteur Honda seront suffisants à tenter de récupérer une place sur Felipe Massa? Oh, il est bien sorti, mais voyez, à chaque fois, voilà, c'est à cet instant que la McLaren peine à se placer. Et ça va être trop loin pour le DRS, quoique, il peut revenir sur Massa, mais pas porter une attaque. Ça va être un peu trop court au niveau de la distance qui le sépare du freinage du bout de la ligne droite. Et il peut refaire la jonction, mais pas d'attaque, pas de menace directe sur le Brésilien. Bon, là, par contre, dans la ligne droite des stands, ça peut le faire s'il sort bien de ce gauche. On sait que celui-ci s'y est particulièrement à la McLaren. Oh, il est bien sorti, Vandoorne. Il va peut-être aller chercher Massa. Personne ne sort des box. Je vérifie dans la pit lane. Ils sont libres d'attaquer. Il va sur la droite. À l'intérieur, Vandoorne. Le dépassement du Belge qui passe, mais qui part à l'extérieur. Est-ce que Massa peut croiser? Non. Et Gutiérrez, 7e, Esteban Gutiérrez qui va aller au bout, semble-t-il, avec ses pneus soft. Il va perdre beaucoup de temps, il va falloir surveiller l'écart qui le sépare des autres pilotes. Mais au niveau des chronos, il est une demi-seconde plus lent que Vandoorne et Massa qui pourtant se battait. Donc ça va pas tarder à revenir pour les deux pilotes belges et brésiliens. Gutiérrez qui va avoir une fin de course difficile, je pense. On rappelle 3 abandons dans ce Grand Prix de Chine. La casse moteur pour Carlos Sainz Jr. dès le deuxième tour. Ensuite, c'est au tour de Rio Arianto d'avoir vu son moteur partir en fumée. Ça fait beaucoup de moteurs Mercedes depuis le début de saison. On se rappelle de Valtteri Bottas à Bahreïn aussi et de Sergio Pérez. Peut-être quelque chose qui ne va pas dans ces moteurs clients fournis par Mercedes, mais on ne va pas partir tout de suite sur une polémique. Et le dernier abandon en date, c'est la boîte de vitesse de Kevin Magnussen qui est resté bloqué au 7e rapport, obligeant le pilote danois à stopper dans le deuxième secteur, proposant aux autres pilotes de vivre la première virtuelle safety car de ce Grand Prix. Nouveau tour couvert quasiment pour Vandoorne à la poursuite de Gutiérrez. Vous voyez que ça remonte assez vite hein, sur le Mexicain. Devant, ça rentre encore pour d'autres voitures. On va guetter qui est en train d'observer un nouvel arrêt au box. Ce serait bien une des Ferrari, peut-être Sébastien Vettel, tiens, qui passerait sur le tard en version super soft. C'est Romain Grosjean qui sort des box derrière Felipe Massa. Fin du 21e tour. La jonction est faite avec Esteban Gutiérrez. Il aura quand même résisté 3 boucles à la McLaren. Va-t-on avoir un dépassement de la part de Vandoorne? Ou est-ce que Gutiérrez, qui on le sait, est réputé pour être difficile à doubler, parfois un petit peu au-delà de la limite, va-t-il résister le pilote mexicain? Bonne relance de la McLaren qui va peut-être essayer à droite, à gauche. Ah, c'est tout juste. Il va sur la gauche. Il n'y a pas forcément la place. Il l'a pas vu, Gutiérrez, de roue dans l'herbe pour la McLaren. Ça ne porte pas à conséquence, mais à cette vitesse-là, ça peut être dramatique.
Et il est très lent, Gutiérrez. Là, maintenant, c'est acté et ça va permettre à tout ce beau monde derrière de revenir. On a Felipe Massa qui est là. On a une Red Bull qui doit être Max Verstappen, une Ferrari. Et la deuxième Haas, celle de Romain Grosjean qui est ressortie il y a deux tours de cela, des box après son dernier arrêt. Tout le monde, normalement, devrait aller au bout avec ces gommes-là, à moins que Gutiérrez repasse pour un train de super soft d'ici quelques tours. Voilà, Van Dorn qui se présente, mais de nouveau Verstappen derrière qui attaque. Vous ne le voyez pas, mais c'est chaud avec la Ferrari. Van Dorn sur l'extérieur pour pourquoi pas prendre l'avantage sur Gutiérrez. C'est fait. La McLaren est passée devant la Haas qui, avec ses pneus soft, ne peut pas résister très longtemps. Regardez la distance mise par la McLaren à la monoplace américaine. Il n'y a pas photo. Gutiérrez est plus lent. Belle performance du pilote russe Daniil Kvyat, pour l'instant 5e de ce Grand Prix. Là, Toro Rosso qui fait ce qu'il faut pour compenser l'abandon très très tôt dans cette course de Carlos Sainz. La deuxième voiture, retour pourquoi pas de la Haas avec le moteur Ferrari. Regardez ça, la différence malgré les pneus usés. Retour de Gutiérrez, est-ce que ça a réellement un sens? Oui, pourquoi pas d'aller se remettre devant Van Dorn. Donc il doit l'avoir mauvaise là à la radio, ça doit klaxonner du côté du muret de chez McLaren pour dire à la Haas de bouger, parce que là il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque c'est le seul endroit où la Haas peut revenir. Mais c'est la course, après tout on ne peut pas les empêcher de faire leur course, puisqu'à ce rythme là s'il parvient à chaque tour à rester devant, et bien c'est lui qui terminera 6e de ce Grand Prix. Oh, nouvelle tentative et le contact, accrochage entre eux. Et là McLaren, et oui, Gutiérrez qui a refermé la trajectoire, et Van Dorn en sous-virage n'a rien pu faire le davantage derrière la voiture américaine qui a abîmé l'aileron avant de la McLaren Honda. Il va perdre de l'appui, il n'avait pas besoin de ça en plus le pilote belge, et ça va être tout bénéfice pour Felipe Massa qui va revenir dans le sillage de ces deux voitures. Si Van Dorn ne trouve pas l'occasion de dépasser, il y va de nouveau et il est proche du ponton du pilote mexicain à la relance. Peut-être attention avec le manque d'appui dans la grande courbe de ne pas se faire piéger. Le deuxième contact avec Gutiérrez, et nouvel accrochage, et cette fois-ci l'aileron est bel et bien cassé du côté de Stoffel. Van Dorn qui doit fumer sous son casque avec un Gutiérrez qui ne veut pas le laisser passer alors qu'il est beaucoup plus rapide. Vous découvrez les dégâts sur la partie droite de l'aileron avant de la McLaren. Ça doit fumer véritablement sous le casque. Nouvelle attaque, Van Dorn qui ne va rien laisser passer. Attention à ne pas se faire piéger et perdre des points importants. L'attaque ici, il ne va peut-être pas avoir le DRS. Il va rester derrière Gutiérrez. Je pense qu'il ne l'aura pas. Van Dorn, il était devant la voiture de Gutiérrez au passage de la ligne. Et non, et non, et non, et non. Pas de DRS pour Van Dorn, c'est Gutiérrez qui va en profiter. Mais derrière, c'est Massa qui attaque Gutiérrez, évidemment. Le pilote brésilien qui a l'avantage. Il va passer les deux voitures, la Ferrari également de Sébastien Vettel qui arrive à doubler. Deux positions perdues pour Van Dorn qui doit freiner très tard à l'extérieur sur Felipe Massa pour garder une chance de ramener quelques points ici. Et ça touche légèrement la voiture de Massa qui a réussi une formidable manœuvre en gagnant 3 positions en quelques virages. On voit Ricardo revenir et ça plonge pour l'une des voitures derrière. Je crois que c'est Valtteri Bottas qui rentre au stand. C'était une voiture blanche peut-être. Finalement, Max Verstappen qu'on avait vu loin derrière. Retour aux affaires de Felipe Massa. Et l'attaque de Ricardo qui plonge dans le premier droit. Et oui, tout cela ont un ou deux tours de moins dans leur pneumatique et ça fait la différence. Ajouté à ça l'aileron avant cassé de la McLaren, il n'en faut pas plus pour créer une différence d'une demi-seconde. Et ça va être compliqué de remplir l'objectif de l'équipe de Woking, ramener la 9e place pour Stoffel. Van Dorn qui est en proie donc à une bagarre maintenant superbe avec Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel et la dernière des As pouvant marquer des points, celle d'Esteban Gutiérrez, de qui tout est parti avec les plusieurs contacts. Et on voit quelques étincelles sous le ponton, sous le fond plat de la McLaren. Est-ce qu'on change la stratégie? Est-ce qu'on va sur une stratégie à 5 arrêts pour aller changer le museau à 4 tours de l'arrivée? On va rester sur une stratégie à 3 arrêts et Van Dorn qui va tenter de ramener la McLaren au mieux dans ses 4 dernières boucles. Attention, peut-être être sauvé par le DRS, mais là il va y avoir du monde en bout de la ligne droite. Ça va être difficile de se faire une place entre ceux qui auront et n'auront pas le DRS. Felipe Massa qui va devoir résister, même si le moteur Mercedes est plutôt bon. L'attaque très vite à gauche de Ricardo qui s'empare de la 7e place sans aucune résistance du pilote belge. L'attaque également de Sébastien Vettel qui va passer pour la 8e place peut-être à l'intérieur. Est-ce que ça peut freiner tard pour Van Dorn? Il y va, il bloque ses roues et il reste devant Daniel Ricciardo. Quelle bagarre entre ces trois-là. Il y en a derrière qui lorgnent un petit peu pour récupérer des places. On a vu
revenir donc Gutiérrez qui avec le contact face à Van Dorn tout à l'heure, lui n'a pas subi de dégâts ni de crevaison. On avait un petit peu peur que le carbone perdu par la McLaren fasse défaut. L'attaque à l'extérieur très autoritaire de Ricciardo qui s'impose. Le sous-virage logique de la McLaren, Ricciardo qui reste entre les limites de la piste et ça ne bouge pas dans ce premier droit. On va avoir droit à quelques tours d'anthologie ici jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix toujours mené par Nico Rosberg. Les deux Mercedes qui sont très proches à l'avant de cette épreuve. Regardez l'usure des pneumatiques à l'arrière surtout pour la McLaren. On est en bout de vie, en bout de course et les trois derniers tours vont être un calvaire mais ce sera le cas aussi des voitures qui gravitent autour de la McLaren sur cette piste de Shanghai. C'est extrêmement tendu. Il y a beaucoup de pression dans les différents garages parce que là on joue des gros points, on peut passer d'une 6 à une 10 ou 11e place et ne rien ramener à la maison. Et toutes ces équipes sont très proches au classement, que ce soit Williams, McLaren ou Toro Rosso. On joue très gros et devant, eh bien, si Vettel ne peut pas revenir, c'est encore Raikkonen qui va en tirer profit au classement général. Van Dorn, pourquoi pas, en train de revenir. Voyez ce qui reste de l'aileron avant de la McLaren. Tout le flap du côté droit est parti. Ça fait une grosse perte d'adhérence, mais pas de fragilisation. L'attaque de Ricciardo logique qui va aller se placer. Oh, et beaucoup de voitures qui reviennent au DRS là. Ouh, est-ce que Ricciardo peut passer? Van Dorn est à l'extérieur, ça va être difficile de défendre là. Et à la relance, la McLaren qui se protège, mais c'est à la limite des bords de piste. Et donc Massa qui en profite de cette petite bagarre pour tout doucement s'éclipser devant ce peloton. On joue la 6 à la 10e place là, c'est tous les points de la deuxième partie des attributions. Oh attention, Ricciardo qui revient très fort sur la McLaren, il va rester moins de 3 tours de course. Vettel à son tour en caméra embarquée. On va suivre à quel point c'est difficile pour Van Dorn de tenir la voiture dans les limites de la piste avec cet aileron avant absolument détruit, n'apportant plus aucun appui. Et regardez derrière, il y a la As de Gutiérrez qui pourrait revenir chercher également de gros points grâce au DRS. Oh, l'attaque peut-être de Van Dorn qui récupérerait une place sur Massa. On embarque avec le Brésilien. Oh, et Van Dorn qui est à l'extérieur. Est-ce qu'il peut passer? Massa qui résiste. Et non, finalement, Van Dorn part au large. Massa va récupérer une place dans le droit, avantage aux Belges. Et c'est passé, mais ça s'ouvre tellement qu'il ne peut pas quasiment tenir sa voiture. Il doit donner de grands coups de volant pour essayer de la faire braquer. Ouais, il gêne un peu Felipe Massa, là, le pilote belge, à la limite de couper la trajectoire du Brésilien. On est en train de vivre des moments très très chauds avec Ricciardo qui va peut-être aller chercher Felipe Massa. Et derrière, nouveau blocage de roue, vous le voyez, les pneus sont morts du côté de la McLaren. Et c'est Massa maintenant en difficulté qui va se faire dépasser par notamment Ricciardo. Oh, ça part très large là pour Van Dorn qui va perdre totalement sa vitesse de pointe. Ça va revenir Massa qui déboîte. Est-ce que Ricciardo va suivre? Ricciardo sur la droite. Est-ce que Vettel va passer sur la gauche? Ils sont à 3 de front dans la ligne droite de retour. Gutiérrez également revient. Est-ce que la Force India peut se placer? Le changement de cap du Belge. L'accident avec l'accrochage dans le mur. Ricciardo qui peut s'en sortir. Van Dorn également. Mais Gutiérrez qui est éliminé. Le pilote mexicain qui a joué. Et le changement de cap de la McLaren qui va se faire dépasser par Pérez, grosse perte là, il n'y a plus d'aileron sur cette voiture. Et Massa qui a résisté finalement, mais c'est Vettel qui est passé devant Ricciardo. L'attaque de Pérez qui peut passer, voilà, au bout de la ligne droite face à la McLaren qui n'a plus d'aileron tout simplement. Il va falloir contre-braquer pour la McLaren, c'est fait, voilà la trajectoire à l'intérieur. Mais quelle manœuvre de Stoffel Van Dorn qui là va peut-être s'attirer les foudres de la direction de course et des stewards parce que le changement de ligne sur la trajectoire finale de l'épingle était assez limite. Il n'a peut-être tout simplement pas vu la voiture américaine dans ses rétroviseurs. En tout cas, le résultat est là. C'est terminé pour Gutiérrez qui rentre au box et qui va chausser des pneus super soft et un nouvel aileron avant. Mais je pense que les suspensions de la voiture ont été abîmées. Peut-être également un risque de crevaison pour Daniel Ricciardo qui a été touché par Van Dorn. Le statut finalement, 6e Massa, 7e Vettel, 8e Ricciardo, 9e Van Dorn et 10e, eh bien la voiture de Sergio Pérez. Mais tout cela peut encore changer avec l'état des différentes voitures. Il va y avoir du petit bois, beaucoup de débris également. On pourrait avoir la course neutralisée pour nettoyer cette piste, mais ça n'a pas grand intérêt à moins de 2 boucles de l'arrivée. Quelle fin de course ici à Shanghai. Va-t-on assister à une sortie des points de la McLaren qui n'a donc pas été pénalisée suite à cette manœuvre? Les stewards ne sont pas sous investigation. On protège comme on peut du côté de Van Dorn, mais il n'y a rien à faire. C'est du côté de l'aspiration qu'il faut se reblottir. Voilà
face à Perez pour tenter, pourquoi pas, le freinage en bout de ligne droite. Valtteri Bottas derrière qui y va. Attention, le changement de trajectoire, ça part large pour Van Dorn qui ne peut rien faire et qui va maintenant subir les menaces de Bottas avec qui nous embarquons maintenant. Voilà, depuis l'arceau de la Williams de Valtteri Bottas qui, avec le DRS, pourrait porter préjudice à Stoffel Van Dorn qui va avoir que deux petits tours pour se remettre de cet accident. Il a beaucoup de chance déjà de pouvoir continuer. Ils ont tous beaucoup de chance d'ailleurs de pouvoir continuer, même Gutiérrez est de retour en piste, mais c'est une occasion de perdu pour Haas qui pouvait déclencher son compteur. Est-ce que Romain Grosjean est dans les parages? On ne l'a pas vu passer pendant l'accrochage. Je crois qu'il est au-delà et des points, malheureusement, le pilote français de la Haas. En tout cas, les derniers tours de cette course ici avec une lutte absolument incroyable à bord de la voiture de Van Dorn. C'est passé devant Perez, mais Van Dorn, vous voyez qu'il ne peut plus braquer tout simplement. Il a la vitesse de pointe parce qu'il n'a plus d'appui à l'avant, mais il ne peut plus braquer tout simplement dans les virages lents. Van Dorn, qu'est-ce qui va aller peut-être ici se placer avec le blocage de roue pour Gutiérrez. On joue les points. Là, il y a 9, 10 et 11e position en jeu. Devant, Vettel est parti. Massa est au ralenti et Ricciardo va sans doute le dépasser dans le dernier freinage de ce Grand Prix. On est dans l'ultime boucle. Victoire, vous ne le voyez pas, devant de Nico Rosberg, devant Kimi Raikkonen, la Ferrari qui va conserver la tête de la course devant. Ça risque d'être limite pour Ricciardo qui va peut-être aller chercher la voiture de Massa avec Valtteri Bottas dans la dernière ligne droite. Maintenant avec Stoffel Van Dorn, la 9e place au bout peut-être de ce freinage. Catastrophe du pilote belge, il y va, il plonge, est-ce qu'il va réussir à toucher Perez? Oui, le contact avec le Mexicain, la relance de la Force India et son moteur Mercedes qui va peut-être réussir à garder la 9e position. À l'extérieur, Van Dorn qui doit croiser, c'est ce qu'il fait à la relance. Et avec le DRS peut-être, il va arracher la 9e place, c'est fait pour le pilote belge. Très belle fin de course, je te félicite, tu as rompu le contrat avec brio, je te tire mon chapeau. Nouvelle victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. C'est un bon résultat pour Kimi Raikkonen qui creuse l'écart au sommet du classement. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Difficile à dire, mais je pense que c'est Sergio Perez. Il a vraiment un don pour gérer ses gommes à la perfection et on l'a vu aujourd'hui. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Toro Rosso continue son ascension au classement grâce à une performance admirable ce week-end. Eh bien, ce fut un incroyable week-end. À très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1. Et effectivement, une fin de course qui aura été bien balbutiante pour Van Dorn qui glisse au 11e rang du classement général devant Kvyat et Sainz qui se retrouvent donc à égalité avec 11 points. Nous sommes toujours devant Kevin Magnussen et confortablement installé en tête la voiture de Kimi Raikkonen. Le classement constructeur, ce qui nous intéresse un petit peu plus, on est eh bien en train de glisser au 7e rang, statu quo pour nous, mais devant ça remonte pour la Scuderia Toro Rosso. Voilà, c'était ce qu'il fallait retenir de ce 3e Grand Prix de la saison disputé sur la piste de Shanghai. On se retrouve très vite pour vivre la 4e manche qui aura lieu en Russie sur le circuit de Sochi. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao.